T'inquiète pas, Fred, on est là, dans le sud-ouest de la France, dans les Barthes de l'Adour. Ce sont des terres inondables, le nom du fleuve Adour, caractérisées par des petits canaux avec des portes permettant de drainer l'ensemble des parcelles présentes. Jamy, je suis en présence de Laurent Saint-Aubin, un éleveur de blonde d'Aquitaine, tu peux le voir derrière moi, qui va nous dire ce qu'il fait de ses barthes et comment il les utilise. Alors, Bonjour. bonjour. Alors oui, effectivement, on utilise des barthes. Des barthes sont utilisées en fauche, c'est-à-dire qu'au printemps, juin ou juillet, on fauche l'herbe sur pied, on fait sécher lorsqu'on réalise des balles et qu'on ramène sur l'exploitation, que l'on utilise soit dans les râteliers, soit on déroule et on distribue aux animaux, notamment les gars. C'est l'alimentation principale de nos animaux. À toi, Jamy. Les barthes sont divisées en deux zones, les barthes basses qui servent à faire le foin et à faire pâturer les animaux, et les barthes hautes qui servent aux habitations et aux terres cultivées.